Yo les poissons, c'est Froggy, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 24 du Ladder, des Ladder Series. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu, j'ai fait une vidéo, une grosse compilation de PvP sur Dragoness, donc je vous invite à aller la voir déjà, parce que j'ai perdu pas mal de temps à la faire. Sinon dans cet épisode, bah, comme d'hab, on va faire 10 combats de Ladder, mais cette semaine, attention, j'ai quand même fait du PvP, non j'ai pas fait de PvP, mais j'ai joué à Dragoness quand même cette semaine. J'ai monté deux personnages niveau 80, parce que je sais pas, maintenant c'est facile. Donc voilà, on va dire que j'ai pas trop perdu, quoique ça fait quand même une semaine presque que je joue que à Blade and Soul, donc... Donc on cherche des excuses. Sauf que j'ai l'impression que cette semaine il n'y a absolument personne. Je pense que tout le monde est sur Blade and Soul aussi. Bon et bah vous savez quoi, on va faire avec la Lança du coup, vu qu'il n'y a personne de mon niveau. Le mec qui se vante à peine. Non mais du coup on va faire un petit peu de Lança pour changer. Par contre, honnêtement la dernière fois que j'ai joué la Lança en PvP c'était dans la dernière vidéo de Ladder, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais on va voir ça. Je veux dire que j'ai assez peur. Attends, déjà j'ai pas de sort sur V. Du mal à comprendre ce jeu. Je connais plus ses attaques, c'est vraiment un truc de malade. On va quand même essayer de combo. Je ne peux pas m'échapper. Ok, c'est pas mal. Faut que j'enlève le truc, sinon je vais prendre des... Non, je l'ai enlevé, je l'ai remis. Enfin, est-ce que je l'avais mis en fait? Oui, je l'avais mis. Putain, je connais plus ses attaques. Attends, par contre, il y a un sort qui devrait être là, qui n'est pas là. Du coup, tu vas te calmer. Dégage. Tac, voilà. Et du coup, pendant ce temps, il peut mettre toutes ses invocations, c'est le fun ça, j'ai des projectiles moi aussi, c'est vrai. Ah, c'est vrai qu'il y a le clic droit qui est cool, enfin qui muse tout le monde en a, mais qui est cool quand même. C'est une mauvaise idée. J'ai utilisé ma Power Tumble, vous noterez, on sait pas comment. Du coup, là je suis lent. Par contre, ça perd pas de vie en PvP. Là, c'est le moment où il faut pas se faire attraper. Depuis la dernière vidéo, m'a lancé à plus de stuff quand même. Est-ce que je peux le mettre en l'air? Non, je crois pas. Par contre, elle tient presque aussi bien que moi. C'est une Dark Summer, donc c'est pas grave ça. Je crois que son esquive s'est déclenché, son dernière évasion. Hop là, on sait faire les combos. J'aurais dû attendre le deuxième coup, mais je sais plus combien de temps ça dure. J'ai réussi à la reprendre dans le combo. Putain, elle avait vraiment pas de vie. Je lui ai fait 3 coups quoi. Pourtant, elle est 1600. Bon. Bah, ça me va. Ouais, ça va vite avec le lanceur. Une fois j'ai attendu 10 minutes, j'ai pas trouvé de combat, mais avec elle a un bar rating, ça va. Finalement ça va, j'ai pas trop perdu au niveau du style de combat, on va dire. J'arrive encore à combo, c'est déjà pas mal. D'accord, lui il m'a calmé, mais direct quoi. C'est vrai que ça a aucune super arme en break ce truc. Ça par contre ça fait mal. Je fais quand même du 8000 avec ça. Je me suis demandé où il était passé. J'étais en train de parler, du coup je n'entendais pas son évasion. Putain, faut que j'arrête de croire que c'est faux. Hein. Je veux tout casser ce soir. Bon, bah j'ai réussi. Ah, j'ai réussi à mettre mon contre. Je crois que j'ai pris cher quand même, mais. J'ai réussi à le mettre. Il a lagué par contre. Oh. C'est vrai que j'ai ça moi. Arrête de laguer s'il te plaît. Je redécouvre la lancia, que j'ai les buffs aussi. C'est mauvais. D'accord, j'ai voulu faire R parce que pour moi c'est Deep Strike normalement et c'est une FM. Oh putain, le mec il lag vraiment beaucoup. Hein. Il a le truc. Ok, j'ai pas réussi à le toucher. Putain. Ça va, il sait pas très bien jouer apparemment. Attention, le wall combo. Oh oui, je l'ai recatch, je l'avais. Ouh, est-ce que je l'ai esquivé, je ne suis même pas sûr. Finish attack, high frame, deuxième coup j'ai oublié. C'était pas la meilleure idée. Putain what? Non 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 non, par contre, perdre contre lui, je suis pas d'accord. Je me rappelle plus de cette attaque. J'étais sur la mauvaise barre, c'est pas grave, je pense qu'il est mort. Oh mais la précision mais. En fait je l'ai dit à peu près au hasard parce que je ne sais pas sa vie mais. En fait non, il était pas si nul que ça. Il avait un grade capitaine, j'ai cru qu'il avait genre le grade. Un petit truc, genre le grade 1. En fait, non, ça va. Mais bon, il était pas très fort. Putain, je suis étonné que j'arrive à gagner avec ma lancer. Peut-être parce qu'il a plus de stuff que la dernière fois, mais. Oh, encore lui. Je pense, honnêtement, c'est normal que j'ai gagné. En plus, il a eu pas mal de lag en sa faveur. Attends, on va lui mettre la pression. Oh là là, cette fois, ça n'a pas marché. Je lui ai fait 3200 avec ça. Dans quel monde on vit? Je vais attendre cette fois pour lui mettre le petit debuff là.
On va lui faire pas. Tant pis. Et forcément, dès que je le fais, juste après. Attends, par contre, je comprends pas, je veux l'enlever, il se remet à chaque fois. Oh là là, avec l'esquive incroyable. Le mec, je crois qu'il a vraiment beaucoup. Je vais pas le toucher. L'esquive était parfaite. Iframe, je l'ai pas. Il va me faire finish attack. Allez, je te pèse. Je suis trop chaud. Et j'aime bien jouer la lance, finalement. Je n'ai pas perdu ses combos. En même temps, j'ai toujours bien réussi à enchaîner avec la lance. Même la première fois que je l'ai testé sur ça. Et... putain, et au moment où je dis ça, mais je le viole, quoi. Incroyable. C'est vrai qu'on en voit pas beaucoup non plus de lancers en PvP. Enfin, je dis ça même si je fais jamais de PvP, mais c'est vachement cool. Faudrait que j'en fasse plus avec elle. À la base, quand elle est sortie, je voulais... j'ai eu l'ambition de devenir la première lancer du serveur et tout. Mais finalement, j'ai pas pu jouer. De toute façon, même on pouvait en jouer. Pour avoir un bon regard en PvP, faut faire du respawn en groupe. Putain. Encore lui. Parce que si on fait des combats 1v1, ça donne beaucoup moins d'XP. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Chaque fois, il fait ça, hein. On a frame qui s'est déclenché deux fois. Niveau esquive, il est vraiment mauvais, par contre. Ok. J'ai oublié que ça avait une onde de choc. En fait, faut vraiment jouer... non, par contre, ça, c'est pas normal. Faut vraiment jouer sur les esquives. Par contre, je peux vraiment rien lui briller. Finish attack, line drive. Esquive parfaite. Oh merde, je pensais que je pouvais le faire et après esquiver comme un Zazum Slash. Bon, par contre, je me fais défoncer, là. J'aurais dû pouvoir le recache là-dessus. Qu'est-ce que... il prend ses distances. Ok. Bien, moi, ça me fait... je peux mettre mes buffs en attendant. Je t'attends, biatch. Il a trop peur. Il essaie de me faire un impact punch là-dessus. Je sais bien que t'as plus de super armor break que moi, mais... oh, l'anticipation du lag. Le petit coup de pied, au passage. C'est vrai que j'ai ça aussi, putain. Le réflexe qui est revenu au bon moment. Pas assez de portée. Attends, mais je le touche pas avec ça. Ok, le recatch est bon, il a plus qu'une évasion. Si. Oh putain, j'allais dire s'il se prend ça, il mourra, parce que dans tous les cas, je pourrai le combo après, mais... et je suis en train de lui niquer son rating, le mec. Moi, je suis en train de monter à 1700. Moi, je veux bien tomber contre lui. Je pensais que la lancée avait... ça allait être difficile pour elle de gagner contre les gladiateurs, les gladiateurs. Mais finalement, pas trop, non. Bon. Il y a la logique du leader, plus il y a de monde, et moins je trouve de combat. Il y a beaucoup de gladiateurs. En fait, le truc, là, je suis passé au-dessus de 1700 de rating, du coup, là, je suis beaucoup trop haut. Je trouve plus de combat. Ah oui, d'ailleurs, elle m'a lancé aussi un nouveau costume. Je lui en ai acheté un alors que je la joue jamais. Mais... et l'arme, c'était avec un ébaté. Du coup, on a trouvé le cinquième combat. Ok, contre quelqu'un qu'on ne voit pas. Je crois que c'est une lancia aussi. Ok, rien à voir. Est-ce que c'est la... je crois que c'est la même de tout à l'heure. A chaque fois, je me la prends quand même cette attaque. J'ai déjà utilisé mon évasion. Et j'ai déjà utilisé mon iframe. Parfait. Comment mal commencer un combat? Elle va aller là. Presque. D'accord, alors j'ai raccroché le T au lieu du G. Donc j'ai fait la mauvaise attaque. Oh! J'ai cassé le jeu. Elle aussi, mais... what the fuck? Les lags sur DN, les lags sur DN. Oh, j'ai cru que je me serais envolé. Mais je crois qu'ils ont corrigé le bug de la lanceur. D'après ce qu'on m'a dit. Je ne peux pas m'échapper. Oh! Ça casse. Je me suis trompé d'attaque, je voulais faire le premier. Ça, elle peut pas le tourner, aussi. Sur le second, je me suis dit peut-être avec la Hex. C'est pas la meilleure... la plus utile des attaques. J'aurais dû attendre. Ouais, du coup, c'est... je suis perdu. Et je me trompe d'attaque. Parfait, ça. Putain, ça a vraiment aucune super armor break. Hein. Dégage, salope. Trop abusé ce truc, putain. Je peux vraiment rien faire. Faut qu'elle m'a mis le truc. En plus, j'ai même pas vu qu'elle m'a mis. 1900, je suis pas sûr que c'était celle-là. Quoique, je crois pas que j'ai regardé son rating la dernière fois, mais. Bon, au pire, c'est pas grave. C'est cool parce que quand je perds, du coup, vu que c'est mal lancé, j'ai des excuses. J'ai aussi joué comme de la merde, donc ça va. On a trouvé le sixième combat. La concentration est à son comble et c'est une Loli. Comme on les aime. Ça va, je me suis pas pris.
Putain, mais même, ça a vraiment aucune super avance au truc. Waouh! Ça va. Putain, je suis trop nul! C'est une physicienne du coup. Elle a plus d'évasion normalement. Bon, par contre, je suis lent. Ouh, j'arrive à la maintenir quand même. Putain, merde. J'ai pas cru que c'était cette grenade. Non, bon, ok, là c'est le moment où je suis pendant 4 secondes. Tout va bien, ça va, ça devrait pas me toucher, non? Ouais, elle peut se heal. Putain, comment j'arrive pas à la toucher? J'arrive pas à parler non plus. Oh, elle a le truc! Oh non, j'étais pas loin! C'est bon, je me suis pas fait la bulle. J'ai l'impression qu'elle fait tout le temps les mêmes sorts. Ça a vraiment pas de super mort. On va mettre le petit buff. Est-ce que ça a marché? Oui, à première vue. À moitié, ouais. Oh, ça va! Ça fait aucun dégât, mais ça marche. Oh, je me suis pas pris grâce à la flamme du truc. Attention! Oh, j'ai réussi à la mettre en l'air. Incroyable. Je m'étonne tout seul parce que je savais même plus comment il faut le mettre exactement. Putain, j'ai cru que je l'avais abandonné sur le chemin. Ça va la toucher. C'est tellement abusé la zone que ça, ce truc. Je pense qu'elle est morte. Très bientôt, en tout cas. Elle va me faire la bulle. Tu vois? C'est... Quand je dis elle fait tout le temps la même chose, c'est... Ouais. Ici. Pas trop dur, honnêtement. 1500, ouais. Bon bah ça allait, et puis on a trouvé le combat suivant juste après. Est-ce que c'est encore elle? Non, c'est un assassin je crois. Non, un guerrier. D'accord, je sais pas ce que j'ai... Ok, c'est un barbarien, je suis dans la merde. Non, attends, j'ai cassé une attaque de barbarien, what the fuck? Ok. Oh, et mon compte qui se déclenche mais qui marche pas, IDN. Quand tu veux la porte tumble. Ça a cassé. Putain, ça a vraiment trop... Niveau esquive et niveau tout, en fait, je suis en train de me faire défoncer. Parfait. Oh, il a plus d'évasion. What the fuck? On va s'enfuir, on va pas retourner dedans. Parfait ça. On va attendre qu'il explose. Ok. J'espérais qu'il roule de mon côté. En fait, le truc avec mercenaire, faut tout le temps que tu balances une attaque contre lanceur. Parce que dans tous les cas, je pourrais pas te la break. Mais t'es sérieux? Mais même mon attaque qui a le plus de super armor, il l'a break avec ça quoi. Ok, je suis dans la merde. C'est pas grave, je lui mets des dégâts. Il a son évasion. Oh, le compte parfait. C'était plus ou moins de la chance parce que j'avais le réflexe de faire évasion slash. Mais... Oh, ça marche. Genre. Fils de pute. J'allais dire c'est un bâtard parce qu'il joue une OSB, mais c'est vrai qu'on est un leader. Bon, je suis très très proche de la mort. Il va me faire son ulti. Je suis dans la merde. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi son ulti il a pas d'iframe par contre en PvP. C'est vraiment, vraiment pas si bien que ça son ulti et même avec de l'iframe il ferait pas très mal. Et pourtant il en a pas quoi. Bon, je pense vraiment que mercenaire c'est un des matchs les plus durs contre la lanceur. Si elle peut vraiment rien lui break quoi, elle se fait tout break avec rien du tout. Mais on va attaquer le 8ème combat. Encore la loi tout à l'heure, ça devrait pas être trop dur. Cette attaque elle est tellement chouette à d'esquiver, du coup j'essaie d'esquiver au dernier moment. Bon, je l'ai pas touché. Parfait. Comment je l'ai touché? Je crois que c'était avec le deuxième coup. Le coup qui fait pas très mal. What is better for PvP, team PvP, bois, oval? J'en ai aucune idée, je fais pas de team PvP. Et je sais pas pourquoi je te réponds là alors que tu regarderas sans doute pas cette vidéo. C'était mauvais ça. Pourquoi? Attends, par contre je comprends pas. Je veux le désactiver et à chaque fois je le réactive. Est-ce que je vais tomber? Oui. C'est un peu obligé. Esquive, parfaite. Je crois que j'ai utilisé ma power tumble en fait, c'était pas une vraie esquive. Oh, tout va bien. Elle va esquiver. T'as, par contre, je comprends pas pourquoi elle reste pas dans mon attaque. F. Oh.
pas se faire empoisonner, ce serait bien. Ah putain, ça reste trop longtemps. C'est la seule attaque où on peut pas esquiver en fait. Je suis pas empoisonné, je vais faire quoi? Boum! 19 000 par contre. Non, ça va. J'avais pas la tête. Ah, j'ai voulu mettre le contre. Bref. J'ai pas d'iframe, c'est pas grave. Je te baise. Je pense qu'elle est mortière, elle se le prend. Je l'ai ou pas? Ouais, je crois qu'elle est là. Oh, je tue avec ça quoi. Bon, le lit ça va, pas trop dur. Avec Fauve avec elle, ça va. Bodhisattva Gladiator, ça se ressemble pas mal quand même. Bon, pas exactement, mais ça a des iframes, ça va vite, ça fait des combos et. Seul truc, c'est que Gladiator ça a un peu plus de Super Mario Break. Et on attaque déjà le 9ème combat. Finalement, ça va assez vite dès qu'il y a moins de monde. D'un côté, en fait, c'est logique. Parce que s'il y a moins de monde, c'est qu'ils sont tous en train d'attendre. Alors que s'il y a plein de gens, c'est qu'ils sont tous déjà en combat. Et je sais pas comment je fais pour lever mon curseur dès le début. Et du coup, c'est un assassin. Ok, un Abyss Walker. Ça fait longtemps, je crois que je l'ai pas beaucoup aimé. Bon, à première vue, il a pas l'air. Enfin, j'allais dire, il a pas l'air très fort, mais il a quand même. Grade 3 losange. Oh, le ride était parfait. Je sais pas comment je l'ai pas touché. Putain, à chaque fois je veux l'enlever, mais en fait, vu qu'il n'y a pas d'animation qu'il l'enlève, je sais pas, je crois que je me fais avoir. Je sais pas trop quoi. Putain, faut pas que je le laisse invoquer moi. Je suis en train de jouer trop prudemment. Au pire, c'est pas très grave, c'est invocation. Putain, mais le mec, nice lag quoi. Je me esquive. Non, je peux pas. J'en ai rien à foutre. Putain, il a invoqué le chat. J'ai même pas vu le temps. Trop de mouvement. Par contre, je me perds là. Il y a toutes les invocations en même temps. Putain, le chat. Taras. Qu'est-ce qu'il m'a mis si haut? Putain, ça me pète les couilles. Je me fais break tout, mais par le chat quoi. Et par je ne sais quoi. Mais arrête de laguer. C'est chiant quoi. J'avais le recatch. Le recatch du siècle qui aurait pu me faire gagner le match. Et non. J'ai vu ou pas? Pas joué contre les abus sur le cœur. Putain, mais sérieusement, mon attaque qui charge me le fait break un coup par le chat quoi. Oh, je l'ai eu. Il va sans doute se heal. Dégage ta race. Hâte de laguer s'il te plaît. Parfait ça. Putain, j'ai cru que je l'avais pas annulé au début. J'ai plus de mana, c'est la fin. C'est fini. S'il y a les ombres et tout, on va tenter l'ulti. D'accord. Ulti, vas-y. Mais c'est sérieux, attends. Je me suis fait annuler l'ulti par quoi? Par son petite attaque qui fait des trois petits coups là. Je sais pas si c'était un lag ou quoi, mais. Bon, ok. Ah, putain d'assassin quoi. 1900 en plus. Il mérite tellement pas son rating, je pense. Là, j'ai envie d'aller prendre foi juste pour le défoncer en fait. Mais non, on ne fera pas ça. Non, mais sérieusement, en plus, je pense pas avoir mal joué. Je suis peut-être resté un peu trop dans ses attaques et tout ça, mais avec tous les lags qu'il a eu et le fait que j'avais plus de mana, mais sans ça, j'aurais. Je pense que je le défonçais. Bon, et du coup, on va faire le dernier combat. Espérant pas retomber contre lui. Quoique, ce serait bien. J'arrive à le battre. C'est pas lui, je crois. Oui, non, c'est un gars. Il commence en faisant une esquive, je ne sais pas pourquoi. D'accord, rip la. Putain, mais la power tumble de la lancée, elle est vraiment nulle à chier. Oh, tant de mouvements. Inutile, mais beaucoup de mouvements. Putain, je voulais passer et lui mettre le coup, mais. J'aurais dû simplement l'esquiver. Line drive, bientôt. Putain, merde. C'est vraiment triste, là, le super amour de la lancée, en fait. C'est vraiment le gros problème. Ah, je peux pas lui break ça avec deux coups, quoi. Bon, il a brave, mais. Non, même pas. Et ça peut hurtumble qu'il n'y a pas d'invincibilité. C'est quand même assez magique ça. Peut-être qu'il utilise d'autres attaques aussi. Oh! Parfait. La mauvaise relève. Bon, là c'est la concentration. On va essayer de lui mettre le. Je vais être lent. Je vais voir ce qu'il fait. Il y a bientôt ses grosses attaques. Je pense qu'il va essayer de me les mettre.
Ça va, je me suis pris qu'un seul coup, je crois que ça m'a mis quand même 11 000 ou un truc dans le genre. Parfait. C'est pas mal ça. Par contre, comment il a pu esquiver? Putain, j'ai déjà plus de vie moi! Au moins où je regarde. Bon, c'est la fin. Putain, j'ai pas compris ce qui m'a fait si mal. Parce que. Bon. Ok. Bon, bah c'est comme ça que ça se finit, mais putain. Je m'étais vraiment pas pris grand chose et j'avais pas vu que j'avais perdu le temps de vie. Enfin bref. Bon bah. Bah tant pis. Ça va, j'ai quand même fait positif avec ma lancée, ce qui est pas trop mal vu le peu de temps que je la joue. Mais voilà, bah du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, qui sera sans doute avec mon gladiateur cette fois, s'il y a du monde. Je pense que les prochaines vidéos vont être pas mal sur Blade & Soul peut-être. Donc voilà, bah merci d'avoir regardé cette vidéo et bye tout le monde.